amis. Ah, quand même, où ça? Que je passe pas trop de trucs que vous connaissez. À l'Européen, quand? À tout le monde, le 1er avril, 20h15. C'est un mardi, c'est un mardi. Merci Redman, merci d'être venu. Les autres? À l'Européen aussi ou dans d'autres salles? République à 3 ans, d'accord. Ah oui, en flamenco, toi, t'es venu en... La première, t'étais au Venezuela. Pourquoi t'as baissé ton truc, genre, pour être sexy, c'est trop mignon. Ah, ils me regardent tous, c'est mon moment. Je t'appelle comment? Je suis, t'as tout caché, je suis. Avec ça. Je vais vous rêver. Mais t'as rangé ton truc, là, ton inventaire. Hein? Dolores. D'accord, tu t'es inventé une vie en deux secondes, ça y est. Qu'est-ce que tu fais comme travail dans ta vie imaginaire? C'est qui à côté de Dolores? C'est qui pour toi? Ouais, t'as du triste, on est d'accord, hein? Je vais pas dire qu'elle me surveille, parce que sinon c'est bon. Dolores, bienvenue dans le vrai monde. Merci d'être avec nous ce soir. Qui m'a jamais vu en spectacle? Très bien. Tu viens de faire... Voilà, je vous avais dit, on est dans un truc raccord en termes de... Ne vous inquiétez pas, les cotorèques, on les met toujours devant. J'ai peur des loups, ça va bien se passer. Levez la main ceux qui m'ont déjà vu en spectacle solo. Ah, tu dis la vie, Jen, m'a rien demandé. Ah, mais je te connais en plus, toi, c'est pas possible. Les amis, si... Hein? D'accord. Pour vous donner de qui est cette femme, je trouve une bonne... Si j'étais Kennedy, ce serait mon Lee Harvey Oswald. Si j'étais John Lennon, ce serait mon... Comment s'appelle le mec qui a tué John Lennon pour rien, qui a pété un plan en jouant avec un couteau? Sale fils de pute! Non, cette demoiselle est fantastique. Rappelle ton prénom. Dolores, je le sais, Dolores, c'est pour que tout le monde le dise. Dolores vient à des spectacles en moyenne 2 fois par semaine. Et t'es déjà venue voir mon film 2-3 fois, je crois. Et ça me touche. Et donc t'as ramené du monde, Dolores, cette fois-ci? Dont ta fille, voilà. Et on a une sacrée bande de vainqueurs de la raison, on peut le dire. Les foules montées du spectacle, on peut le dire. Alors, présente ta bande du coup de la raison. Tu m'as déjà vu où en spectacle, Saint-Maurice, tu as dit? Et puis devant chez toi? Mais c'était pas un spectacle, tu te douchais et je regardais par la fenêtre. Donc on a Dolores et sa bande de Saint-Maurice. On a tout était déjà venu l'autre fois, avec Dolores, je me rappelle, c'est venu tous les deux. Parce que j'oublie jamais les visages des gens qui me font peur. Et je les décide le soir en rentrant, il y a un commissariat juste à côté, j'y vais, je pose, au cas où il m'arrive un truc un jour, comme ça je vous ai directement sur la liste, on gagne déjà du temps. Avant, la scène allait jusque là. Et puis à force que Dolores vient, on se dit... Là, si elle se lève, j'ai un temps d'avance, hop là, tu vois, j'ai envie de réagir. Donc, non, deux trucs et je vous laisse partir. Le premier truc... ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez vu en montant, il y a 2 affiches qui sont dans les allées, hein, 2 affiches de films, vous les avez vues ou pas? Oui. Voilà. Ça s'appelle Mauvaises Herbes. C'est mon deuxième film. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu dans la salle? Oui. Ah, Dolores. Entre 0 et 20. 20, magnifique. Qui d'autre l'a vu? Combien? T'es avec Dolores? C'est incroyable. T'es avec Dolores, mais vous connaissez? Elle était au premier rang, évidemment, ça ne choque personne. Et il y a toi avec ton putain de chewing-gum de merde. C'est quoi ton prénom? Ton prénom? Oui, toi. Non, à qui je parle là? J'ai un strabisme. Ça va, archiduc, archiduchesse? Ça se passe bien, les gens blindés là-bas? Et bien, je parle à toi. Achille. Non, Rachid. Rachid. Ah merde, j'ai déjà terminé le prénom estimé. Achille, Achilleus. Roi d'Ithac. Je suis venu tuer Hector. Non, c'est, je m'appelle Rachid. Marlboro? Marlboro? 60 minutes avec Kayron. Donc j'ai besoin de vous. Et tu peux arrêter de tripoter le cou, c'est très gênant pour moi. Il y a les spectacles, à chaque fois qu'il rigole, elle fait. Elle est très amoureuse. T'as vu, j'ai pas dit vous êtes très amoureux. T'as senti que Vin il se rattrape. C'est le menteur là. Ça se voit que ça te faisait chier quand elle te grattait, mais t'osais pas le dire. Est-ce qu'il y a plus jeune que 14 ans dans la salle ce soir? Ici. Ici. T'as jamais vu d'humoriste? Ça tue. Et toi, t'en as déjà vu? Ah ouais, t'as vu qui? C'est un crap qui a
qui s'est passé? Oui, la mère. Ah ouais, t'as vu qui? Non, personne, personne. J'ai pas dit que tu connais YouPorn, tu dis que t'as YouPorn. C'est incroyable. D'où tu vas voir des humoristes en maman? Je suis le premier aussi. Bah pourquoi t'as dit oui? T'as peur des mamans de ouf? Il a pas du tout. Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions et autre chose? On a fait le tour. Comme ça? T'es quoi toi? C'est pas vraiment une croyance. C'est pas une croyance, c'est plus un sport. J'aime le. C'est quoi, vas-y? C'est ce que tu penses qu'il y a de plus plausible. D'accord, c'est ta théorie en fait. Et d'accord, c'est quoi ta théorie? En fait, il y a de l'énergie un peu partout. Il y a de l'énergie un peu partout. C'est ça qui nous relie. Avatar, on est d'accord, hein? Toi, tu prends en Ewa, tu prends l'arbre d'Avatar. Mohican, allez. Explique le bouddhisme, est-ce que tu peux expliquer une petite différence rapide, définir le bouddhisme en une phrase? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a personne qui a parlé. Oui, mouche-toi, vas-y, on est plus là, de toute façon, vas-y. Hein. Ah, c'est là, tu te bouges pas, t'es en train de. Ah ouais, je. C'est une paille de McDo, t'es en train de. Si, si, t'es en train de gratter les dernières croûtes qui sont dans le truc là. Que déjà dans la vraie vie, quand t'es avec une personne face à face, tu sais, t'as fini le repas, tu vas. C'est gênant. Là, on est 360, t'as rien à foutre. Y'a un mec qui a un micro qui travaille. 2 secondes, il reste 2 gouttes quand même. Incroyable. Parce que. On n'est pas au cinéma, t'es conscient quand même que je vois tout ce que vous faites. C'est tout. C'est pas toi? Je veux que toute cette rangée lève ses mains et on va voir qui a une paille avec un verre. Allez-y, toute la rangée, levez les mains. Levez les deux mains, toute la rangée, s'il vous plaît. Mademoiselle. Femme! Lève tes mains. Voilà. C'est fou de mentir, c'était pas moi. L'équivalent de ce qu'elle vient de faire, là, si tu rentres chez toi, il y a ta meuf comme ça en levrette avec un mec derrière et elle dit, je te jure, c'est pas ce que tu prends. Parmi vous, qui fait le métier qui rêvait de faire quand il était petit? C'était ton rêve, ça? Oui. Alors, explique l'éducatrice spécialisée ce que c'est exactement pour tout le monde. On s'occupe des personnes en difficulté. C'est quoi en difficulté? Dis les mots, n'aie pas peur. VIH. VIH? Ouais. Ah ouais, t'as niqué l'ambiance de ouf, wow. Je m'attendais pas. Soirée positive. Zéro positive. Pour toutes les personnes qui ont le VIH. D'accord. Et c'était ton rêve d'enfant? Expliquez dans quelle famille, de quelle famille tu viens et pourquoi. Pourquoi vous êtes en retard, les amis? Il n'y a pas de place pour le parking. Et du coup, comment vous avez fait s'il n'y a pas de place pour le parking? Voilà la vraie raison, tu vois. Elle a menti direct. J'ai pas des qualités d'impro métier. Ça vient dans la vraie vie, t'imagines comment elle peut te manipuler? Tu viens de réaliser, hein. Toutes les fois, elle t'a dit, mais non, mais j'étais au travail, on a fini plus tard. Si toi aussi tu penses comme moi, tape dans tes mains. Alors la vraie raison, dis-nous. Il la regarde, je peux lui parler de. Elle est très gênée. Mais non, tu peux pas parler de ça, c'est illégal. Problème de rouge à lèvres. Les mecs sont là, mais c'est pas possible. Toutes les meufs, elles font, ça passe, c'est normal. Ça passe. La pauvre. On a de la peine pour elle. Problème de rouge à lèvres. Ah ouais, donc, oh, tranquille, ta petite sacoche. Tu vas réparer la chaudière, comment ça se passe? Salut, toi aussi, tranquille. Oh, en détente. Non, lui, pas de spectacle, lui, vise le théâtre, tu vas racheter. Alors, ça, c'est porteur. Continue ça, ta vente, continue. Alors ça, c'est pas mal, ça. Pourquoi vous êtes en retard, tous les deux? Le métro. Ah bah oui. Bah oui. Oh, c'est le métro. Tu bosses à la CGT, toi? C'est pas possible. Alors, c'est-à-dire de rouge à lèvres? Ah, t'as mis du temps à te préparer, c'est ça? C'est... Oui, le rouge à lèvres, c'est pas pour lui. Sinon, à moins que tu sois joker et que tu sois trompé dans le... Pourquoi vous êtes en retard, les amis? Répondez-moi. Je te parle. Vous êtes en retard, vous voyez que vous êtes en retard. Parce que quand vous êtes arrivé, il y avait déjà le mec sur scène qui travaillait. C'est comme ça que tu... Il y a un indice, si c'est vite, c'est que vous êtes pas en retard. Mais moi j'étais là en train de parler quand vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes en retard?
faut lui apprendre à conduire. Oh la violence, ce couple va pas durer, c'est génial. Ça c'est bon, on va s'en occuper après. Lui la missurelle, rouge à lèvres, oui mais si tu conduis mal pendant qu'elle met son rouge à lèvres, c'est relou aussi. Et vous deux, c'est le métro. Quelle ligne vous avez pris? 13. On peut rien dire, la 13 elle est relou. La 13 elle est relou. On va en parler après si vous voulez, on va parler de vous deux et de vous deux. Très bien. Ah, sortez, voilà, ils sont en train de s'embrouiller déjà, tu me soutiens jamais. Partout où on va. Rouge à lèvres, mais t'as pas besoin, il est belle sans maquillage. Non, c'est pas vrai. J'ai vu comment tu regardais les autres femmes. Mais non, y'a que toi que j'aime. Voilà, dans ma tête, c'est ce qu'ils se sont dit. Après, je pense que c'était plus. Oui, ça me rend dans le cul, cet amoureux. Est-ce qu'il y a des agnostiques ce soir? Ah, pas mal, une petite dizaine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les agnostiques? Vous dites que. Tu sais pas ce que les agnostiques? Moi, j'ai levé la main parce que pour moi, c'était le bon moment, mais. Oui, mais il y a une nuance. Les agnostiques, vous disent pas juste on sait pas. Les agnostiques, ils disent on ne sait pas. T'as dit quoi? Je vais vous faire moins ce qu'elle répète. Bah, jamito, là, oh. T'es italien? T'es italien? Quel cliché! Bah. C'est fou d'être un cliché comme ça! Je suis sûr qu'il parle normal, hein! Et il va me mettre un monde italien, je vois. Avec un fromage! Pourquoi j'ai fait ça? Bah. Ton prénom? Et qui d'autre ferait le métier qu'il rêve de faire? Mademoiselle. Oh, il y a un battle. Avocate. Avocate du ou avocat, tu plaides? Oui, c'est le métier en fait, c'est le. C'est un docteur qui sauve des gens, quelquefois. C'est pas une certitude après. Hein. La dernière affaire, la plus grosse affaire que t'es plaidé. Quand on se gratte les yeux comme ça, c'est pas bon signe. Je vais pas parler du chat de Monsieur Michaud quand même, c'est pas. Hein? Ça nous fait maman, pour être du coup. Non, mais dis-le, mais la plus grosse affaire que t'es faite. Un maître chien, j'avais raison ou pas? C'était le chat de Monsieur Michaud! Donc c'était un maître chien. Voilà, c'est ça que t'as retenu que ça de l'affaire? C'est fou parce que c'est comme la spécialiste de l'affaire, celle qui a défendu le type en question. Non, mais il n'était pas payé de ses heures supplémentaires et je l'ai défendu. T'as défendu et donc il a gagné ses heures supplémentaires. Combien? Parce que Pétroli va se taper le bar, hein, on va dire. On parle bien de 6 chiffres au minimum, on est d'accord, non? Non, moi je n'écoute pas, je bouge mes oreilles, je veux pas entendre. Des informations inutiles pour moi. Je filme aux autres, moi je suis pas contre la planète, s'il vous plaît. Décris-moi la vie d'air en 3 traits de caractère, Lucie. Ne gâche pas tout, Lucie, ne gâche pas tout. Gentil, drôle. Barbu. Ah merde, j'ai pas compris. Ah, je suis gêné. Tous les hommes, levez la main, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai dit tous les hommes. Elle a dit, si tu lèves la main, t'es mort. Mais pas du tout, j'ai pas dit ça. Il est fou. Il est dingue, ce mec. T'es mort. La schizophrénie, je sais que tu l'as dit en plus. Ça se voit que t'es violente. Ça se voit que t'es une rebelle violente. T'es algérienne ou pas? T'es quoi? Marocaine, c'est pire. La violence et la sorcellerie. C'est le pire. Les Marocaines, c'est le pire. Au Maroc, j'ai vu des poupées vaudou déguisées en tagine. Ceux qui ont la main levée, levez-vous. Bon, toi, tu peux pas, t'en fous des roulants, mais bon. Imagine, ils se lèvent. Oh putain, merde. 20 ans de carottes. Attends, j'aurais plus les allocs, j'aurais plus rien. Intérêt à bien sucer Lucie, sinon vraiment. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand elle était petit? Mademoiselle? J'ai pas compris. Conseillère particulière en banque. C'est quoi la différence avec banquière? C'est quoi la différence? C'est quoi concrètement ton... C'est la dénomination normale, c'est CEPA. T'as les Renault dès qu'ils ont un titre, comment ils s'insultent. Les filles là-bas, c'est quoi votre travail? Moi je suis planificatrice de production. Et à côté? C'est quoi ça, planificatrice de production? Ça veut dire quoi? Même toi tu sais pas, on est d'accord. Hein. T'as jamais osé poser la question. Écoute, moi tant qu'il y a le salaire. C'est quoi votre... Tu planifies la production. Ça on avait tous compris. Dis-le-moi autrement. Tu vois la productivité de la production? Quelqu'un la planifie, c'est moi. Autrement, ok, je suis en charge de la planification des productions.
tu vois où je veux en venir ou pas du tout? Tu comprends le... Faut que tu dises deux autres mots que planification et production. C'est ça. Imagine qu'on joue à ni oui ni non. On joue à ni planification ni production. Comment tu t'en sors? C'est quoi ton métier? Ni planification ni production. Jingle, à toi. C'est quoi ton métier? Elle est en galère, sans déconner, hein. J'avais jamais pensé, putain. Hein? Non mais on joue pas à pyramide. Je veux que tu me parles, usine, huile pour moteur. Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir? Des gens qui sont venus entre collègues? Tu bosses avec qui, toi? Étudiant? C'est quoi votre travail? Oui, donc quand j'ai des collègues de travail, j'ai pas dit qui est en sortie scolaire, les gars. Qui est collègue de travail? Il y a des collègues ce soir? Les filles, c'est quoi votre job? Vous regardez vraiment avant de... Ça fait très escorte. On est quoi, finalement, officiellement? Un décolleté de dingue. Moi, je suis mineur, je bosse dans les mines. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire? On a des infirmières, des chanteuses, vas-y. Musicienne de quoi? Flûte? C'était ton rêve d'enfant? Ça a marché, la flûte à l'école sur une personne? C'est incroyable! C'est incroyable! C'est ton métier! Après, mademoiselle. Marin! Ça tue! C'est-à-dire marin? Pourquoi tu rigoles, toi? Elle a même pas dit mécanicienne. Et tu pars comme ça, et c'est ta fille à côté? Mais je vois que tu l'aimes plus, celle de... Parce que sur chaque blague, tu la regardes plus, elle. T'as vu, c'est marrant, hein? Et l'autre à côté, moi aussi, maman. Ouais, ça va, ça va. On a compris, t'existes, c'est bon. Et donc, vous la voyez rarement, du coup, votre mère? Parce qu'elle part souvent sur les... Ah oui, t'es en bateau mouche là, maintenant je suis... Qui parmi vous fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Artiste. Tu vois, c'est flou, c'est vague. Elle crée l'intérêt, elle suscite. Artiste de quoi? Chanteuse? Danseuse? Actrice? Si j'ai rien, continue. Agricultrice? J'élève des ptérodactyles? Et je bosse pour les Chicago Bulls? D'accord. Tout ça, tu fais. C'est énorme. Et ton prénom? Léa. Et ton nom de famille? Léa Lunda. C'est ton nom de scène. Si toi non plus, tu connais pas Léa Lunda alors qu'elle a 400 activités artistiques, tape dans tes mains. Alors, qu'est-ce que t'as chanté récemment? Qu'est-ce que t'as fait? Dans quoi t'as joué? Ou dans quoi t'as dansé? T'es en tournée et tout? T'as 2 jours de congé. T'as vu comment elle m'a fait sentir important? Je suis en tournée dans toute la France. J'ai eu 2 jours de congé. Je me suis dit, c'est toi. Mais on t'a vu... comment on peut te connaître? La télé, les... Ah, quand même! Ah ouais, je retire tout ce que j'ai dit! On est sur du... Tu faisais quel personnage? Tu faisais Nala? Mais tu dois chanter de dingue! Tu peux chanter un petit truc vite fait? L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. Et donc, t'as gardé la coupe de Simba. Tu t'es dit, je pars avec le matériel, ça n'embête personne. Qui n'a pas levé la main sur les croyances encore? Qui n'a pas levé la main? Toi, t'es quoi? Agent? Oh, t'as quel âge? T'as 14 ans, 15 ans? J'espère que t'es agent. Voilà, mais je sais quoi, dans une région où on va me juger si je suis agent. À partir de 11h du matin, donc... Tu t'appelles comment? Paul, t'es un enfant, Paul. Tu doutes vraiment de... Est-ce que tu votes, Paul? Non. Est-ce que t'as le droit d'aller où tu veux tout seul? Oui. Je suis âgé. Paul, t'as quel âge? 15 ans, t'es un enfant, Paul. On est dans un autre pays ici ou comment ça se passe? Techniquement, je suis un pré-ado, mais après... Est-ce qu'il y a une femme qui a annoncé d'une jolie manière à son homme qu'il allait être père? Elle va nous sauver tous. Pareil. Ton troisième. Ah, déjà le premier, qu'est-ce que t'as fait? Oui, le premier, rien à foutre. Le deuxième, rien à foutre. Le troisième, tu dis bon, c'est peut-être le dernier, allez, on va faire quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi? C'est plus mieux parce que t'as déjà 2 enfants. C'est exactement les phrases que disaient les pédophiles chez le juge, tu le sais ou pas? C'était plus mignon, j'en ai 3 maintenant, je peux m'amuser. Voilà, Mauvaise défense, continue. 5 gâteaux. Ah,
Mignon. Mignon. Est-ce qu'un couple, c'est maintenant le moment de nous dire une dispute originale, un truc qui sort de l'ordinaire? Avec... Vous vous êtes disputé pour savoir quel était le mois le plus froid dans l'année. Tu sais qu'il y a la réponse sur ton téléphone. Ça ne mérite pas de se disputer. Et qui a gagné du coup? Personne. Personne. Bah moi j'avais dit juillet, il avait dit août. Alors du coup, ça m'avait tous les deux perdu. C'est pas possible, personne. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Oh, attention. Silence les autres! Elle a parlé! Comment osez-vous encore être là? Pardonnez-nous. C'est quoi ton métier? Je suis chanteuse. T'es chanteuse? C'est un peu raciste ce que j'allais faire. Non, les chichas, ça compte pas, hein. Non, mais... Chanteuse professionnelle? Ça tue, c'est quoi ton nom de scène? Oui, bah c'est quoi ton nom? Bah non! Tu vois bien que je suis en écran, en réalité. Je n'existe pas. Ton nom de scène, c'est quoi? Asna Benani. Asna Benani. Tu chantes quoi, Asna Benani? Attends, t'es pas indienne, toi? T'es quoi? Réunionnaise, ok, pas mal, bien joué. Bien joué. Fais à l'œil, hein. Si à un moment donné, sur une blague, tu fais... Oh, attention. Tu chantes de l'opéra? Mais arrête tes conneries. C'est vrai? Tu sais pas dû chanter un petit truc vite fait? C'est ouf, non? Quoi? T'es malade. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois le public comment il est? Il y a deux secondes. Vive cette femme! Elle va nous divertir! Je peux pas. Sale merde! Ta vie est à chier! Opéra, c'est vrai? T'arrives pas à te croire, je sais pas pourquoi. Opéra ou opéraille? Dis la vérité. Non mais parce que... Si toi aussi tu penses qu'elle ferait une bonne chanteuse d'opéra, il tape dans tes mains. C'est les mêmes classiques mais tu mets un aïe à la fin. Con te partiro. Allez. Bon bah tu veux pas chanter, tout ça pour rien putain. T'as chanté où? Dans quel opéra t'as déjà chanté? Dans les opéras, le métro là, à Paris, voilà. J'ai fait Terne aussi, j'ai fait Terne. J'ai fait Clémenceau, Clémenceau. Dis-moi une chanson d'opéra, c'est que tu chantes le mieux? Ouais. Celle de Booba là. Le... Avec Rachita, comment elle s'appelle? Laquelle, laquelle? Du Bach? Bach. Mais j'ai envie de t'entendre chanter maintenant, t'es relou. Mais on a rien à foutre de ton nom, c'est maintenant qu'on veut nous. Oh, je voudrais pas me voler de la menette. Mais vous vous rendez pas compte? Mais oui, parce que... Attendez, vous, qu'est-ce que vous croyez? Si elle commence à nous chanter du Bach, je n'existerai plus à côté. C'est normal, c'est normal. Merci de me permettre de garder mon public. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire, mais pour de vrai cette fois-ci? Qui d'autre? N'ayez pas peur les amis, on a des chanteuses dans la salle. Vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Je suis graphiste. Graphiste? C'était ton rêve d'enfant, ça? Tu fais quoi comme graphisme aujourd'hui? Je dessine. Oui, mais tu dessines quoi? C'est pour des magazines, pour des sites, pour des... Pour Disney. Pour Disney? Genre les dessins animés et tout? Presque. C'est-à-dire? Je fais les prospectus du parc. Comment ça, tu les fais? Tu les dessines? Non, non, je les donne aux gens devant le... Tu fais quoi pour Disney? Dis-nous! Je fais des vidéos d'animation. Tu fais des vidéos d'animation? Mais pour, c'est-à-dire pour les films Disney donc? Entre autres, ouais. Attends, c'est une marque indienne d'un autre truc Disney ou quoi? Disney, c'est Disney! Est-ce que vous êtes en train de me mytho toutes les deux là? Je veux des vrais gens! Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, lève la main, tu fais de l'opéra. Mais personne va me croire. Vas-y, lève la main. Je fais de l'opéra! Ah! Est-ce qu'il y a des vrais gens, s'il vous plaît, qu'on... Ah là 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 là, ça va être beau. Vous avez pas vu le lever de main. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Ça va être beau. Je pilote des avions. Ah. Est-ce que quelqu'un fait un métier qui sort de l'ordinaire? Un truc qu'il faudrait partager avec nous. Pourquoi tu ouvres ta gueule? J'ai pas compris.
T'es plus malade, les cordes vocales? Hein? Parce que lui, on peut pas vérifier s'il conduit un Boeing. Si t'avais chanté, t'étais sur une vague dynamique, tout le monde t'avait applaudi, t'étais au summum de ta carrière. Tu serais venu, t'aurais chanté, ça aurait été fou. Non, j'ai mal à la gorge. Dis-moi. Animatrice en maison de retraite. Quand on a dit un truc qui sort de l'ordinaire, tu traînes tellement avec des vieux que tu crois que c'est un truc qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, les vieux vont faire un truc dingue, la poterie. En maison de retraite. D'accord. Merci d'avoir participé. Si toi aussi t'es un petit peu gêné, mais tu l'aimes bien, tape dans tes mains. Qui a plus de 60 ans, les amis? Oh, on a un petit gang que j'avais pas vu. Ils sont venus avec toi ou pas du tout? Maison de retraite, là-bas. On choisit une blague, un truc, un truc qui vous a marqué dans le spectacle, et on fait tous le même geste. D'accord? Je mets la photo en sortant dans 10-15 minutes. Je la mets sur Internet. Moi, j'ai envie, entre pêche, opéra, coup franc, faut être debout, donc on va perdre ceux qui sont petits. Opéra, ça vous va? Ouais. Comment tu ferais, opéra? Tu peux pas nous faire un truc à la fin avant de partir, franchement? Pars pas sur une défaite. Je te tiens le micro, tu me fais une vocalise, un petit truc, juste pour montrer que... Vas-y. Mais sur scène ou d'ici? Ah, je vais pas venir sur scène, la flemme, franchement. Vas-y, fais-nous rêver. Elle a pas le trac, c'est son métier, ok? Oh, pardon! Oh! C'est juste que je suis en vacances! Je ne veux pas... Elle est en vacances, allez, pardonnez-lui, vraiment. Une phrase, oui, allez, vas-y, fais ton truc. T'as toutes les pubs de papier toilette ou t'as que celle-là? Oh bah oui, bah oui, elle a fait exprès pour qu'on connaisse. Parce qu'on ne connaît pas, bah. Oh, pardon, mademoiselle. Oh, c'est génial. Opéra, comment on pourrait faire le geste opéra, tout le monde? Comme ça, hein, allez, on est prêt. Gabin, tu nous fais une... Oui? Oui, la bouche ouverte, sinon c'est pas de l'opéra. Sinon c'est de la Roumanie. Qui n'a pas levé la main sur les confessions? Qui est autre chose? Pardon. Non mais, parce que... Non mais comme... Pour moi, c'est même pas un métier, philosophe, tu vois. Il va un cran plus loin. Je suis philosophe. Philosophe, pardon, explique-nous. Même t'as la voix de... T'as une voix un peu qui porte. Redis-le. Ma voix. C'est quoi ton nom? Je suis Odin! Je viens du Valhalla pour vous observer, misérable mortel! Il y a des musulmans, voilà, ils sont là. Faut pas qu'on lui montre qu'on aime pas. Depuis tout à l'heure, elle est comme ça, Starfoul là. C'est génial parce que t'as mis un voile noir avec des petites trucs dessus. Des petites boules à facettes et tout, c'est trop mignon. Mais c'est pas de la 3D, t'es pas en train de faire du motion capture ou un truc comme ça. Peut-être pour un film musulman, un truc, tu sais. Starfoul là. Alors, dis-nous, philosophe, c'est-à-dire? En fait, je reconnais les histoires religieuses, j'ai pas la croyance, mais je reconnais la morale qui est derrière. Non, en fait, parce que vous avez pas compris. Faites, oh, waouh! Ça, c'est quand même, c'est pas quoi dire. Waouh, c'est génial! C'est bien ou pas? En vrai, on n'aime pas. Ouais, mais alors comment tu... C'est fou, c'est que tout le monde entend là-bas, alors qu'il n'a pas de micro, c'est incroyable. Oui, mais donc mais, alors toi, tu te situes comment par rapport au... Toi, tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? On va l'aider à trouver, c'est très... Alors attends, est-ce que toi tu dis Dieu n'existe pas? Ou tu dis pas ça? Je dis que Dieu n'existe pas. Alors t'es athée, c'est bon, c'est fini, fin du débat. Non, mais je voulais une nuance pour me différencier de la masse, voilà, je suis désolé, je peux pas être comme tout le monde. Pardon? Oui, mais d'accord, mais on parle de toi. Est-ce que chacun peut s'occuper de son froc, s'il vous plaît?
Voilà. Moi, je suis athée, mais j'accepte que les autres croient en ce qu'ils veulent. Voilà. Je voulais le dire. En tant qu'Odin, parmi vous, qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Philosophe. J'aimerais faire le coup de la philosophie. C'est quoi ton métier? Ingénieur pétrolier. Mais sa vie est géniale, ce mec. Il m'énerve. Sa vie est géniale. T'attends d'être philosophe, t'es là sur ta plateforme, tu regardes l'horizon. Suis-je, ne suis-je pas? Il y a un petit manque de discipline ici. Ça sent le centre social, le collège. Vu le manque d'encadrement, on dirait un orphelinat, je vais être très honnête les gars. Ou alors on a l'équipe du Togo qui est là ce soir. Dans tous les cas, je ne vous laisserai pas faire du mal aux Noirs. Personne sortira en se disant « Oh putain, les Noirs, ils parlaient fort. » C'est hors de question, les gars. Alors, vous êtes... qui... C'est quoi cette bande? Qui... Je sais très... Je regarde la seule blanche qui est à côté en me disant « C'était la responsable du groupe. » Non, je me suis trompé. Il y a une petite blanche bobo et sept renois. C'est la responsable du groupe. J'ai raison ou pas? Est-ce que t'es la responsable du groupe? Non. Tu les connais ou pas? Est-ce que tu les connais? J'ai raison, voilà. Première chose. Je vais essayer de deviner où est le deuxième éduc. Si tu me dis que c'est Utopie, je ne te crois pas. Où est le deuxième? Parce que normalement, moi j'ai bossé avec des gamins et on devait toujours les encadrer. Voilà, donc là il y en a un qui, toi tu fais ton boulot, tu encadres. Et où est l'autre? C'est toi l'autre, t'es pas dans la bande! T'es en civil, tu t'es fondu dans la masse. C'est comme vous les gars. Mais bon, celui-là elle est galère, je peux jouer du djembé, toi tu connais les délires. Elle a dit avec ses petites sandales de bobo de merde et essaie de leur parler, toi t'es dans le truc direct. Ton prénom? Kenneth. Kenneth, ah oui, américain. Et celui? Tu es togolais? Mais je sais que tu es togolais. J'ai dit l'équipe du Togo, qu'est-ce que vous croyez? Les amis, je suis mentaliste. Vous croyez que je rigole? Je vous connais déjà, je sais qui est qui, je sais qui va avec qui. Merci Kev Adams d'être venu ce soir. Est-ce que tu peux te faire un coucou à tout le monde rapidement, que tout le monde te voit? Je te dis merci Kev Adams, voilà. Je vous connais, je vous connais, je sais que tu fais quoi. Tous les deux, vous êtes ensemble. Et tu l'aimes beaucoup trop, parce que tu la tiens, faut la lâcher maintenant, faut la laisser respirer un peu. Bienvenue les gars. Alors c'est quoi? Dis-moi, c'est un... C'est quelle structure? Dis-moi, dis-moi. Oui, ou toi ou Kenneth, comme tu veux. Éducatif? De quelle ville, les gars? Mais arrête de te moquer de lui! Tu vois, les relous, il a rien dit de bête! Toi, t'as dû en niquer des scolarités, c'est incroyable! C'est à cause de mecs comme ça que tu gâches ta vie! Il y a un mec qui dit pardon, oh ta mère la pute! Oh. Il a rien dit, laisse-le! C'est pas con, c'est une structure éducative? De quelle ville? Créteil. Tous, les gars? Très bien. Et toi, ton prénom, mademoiselle? Mon vrai prénom ou mon nom d'éducatrice? Je m'appelle Claire, mais il m'appelle Fatou. Voilà. J'ai essayé de faire un lien. Plus debout! Bienvenue les gars, bienvenue. Donc tu me dis ton prénom à toi c'est quoi? Voilà, ça peut pas être ton prénom. Ton prénom c'est quoi? Driss, c'est ça? Driss, Idriss, Idriss ou Idriss? Idriss, tu me vires le téléphone Idriss. Hein. Qui m'a déjà vu en spectacle? Ok. Kenneth, tu m'as vu? Où ça? Ici, t'étais là déjà toi à l'époque? Mais pourquoi tu l'as emmené lui et pas les autres? Parce qu'on a un lien particulier, lui et moi, que légalement je ne peux pas justifier. C'est un peu mon préféré. Pourquoi il n'était pas là, vous les autres? Et pourquoi tu lèves pas la main alors? Tu te rappelles pas de m'avoir vu? Il vient d'arriver en France, il dit la vérité. Ah bah quand je parle, c'est possible. Tu te rappelles de la soirée, toi? Mais pourquoi tu lèves pas la main? Je suis pas l'immigration, j'étais chez toi aussi. Mais réponds honnêtement! Il a peur de répondre. Kenneth, dis oui! Mais non, je veux pas te vanner! Tu sais, tout ça, c'est de sa faute à Adris. S'il avait pas ça sur son téléphone, je les aurais même pas calculé. Non, tu l'as pas compris, celle-là. C'est pas marrant. À côté de Fatou, c'est quoi ton prénom? Ton prénom? Oui. Boubacar, t'as compris la vanne ou t'as pas trouvé ça marrant? T'as pas compris. T'as un cœur pur, Boubacar, c'est pour ça. T'as un cœur pur. Contrairement au petit con qui est assis à côté d'Idriss, là, qui se rappelle pas m'avoir vu. T'as déjà vu des spectacles ou pas où j'étais le seul?
Tu sais plus. Ah, en fait, on est sur un Alzheimer à 12 ans. On est sur un... Qui est le plus jeune de la salle? Les gars, qui est le plus jeune parmi vous? Vous savez ou pas? T'as quel âge? Dis-moi. Tiens, rappelle-moi ton prénom. Noah. N-O-A-H. N-O-U-H-A. Noah. Noir. On peut pas renier comme ça. On t'aime pareil. T'as quel âge, Noah? 18 ans. Est-ce qu'on a plus jeune que 18 ans dans la salle? Quel âge, toi? 15 ans. C'est plus jeune de la salle, 15 ans? On a plus jeune? 5 mois. Il n'est pas sorti encore dans son ventre. C'est lui le père de... T'as fait le test de trisomie déjà ou pas? Je peux savoir pourquoi vous êtes en retard? On a vu l'affiche, on s'est dit, ah ouais, pourquoi pas? Ah, vous étiez pas prévu? Non, non. Bah, c'est cool. Du coup, vous avez mis plein tarif? Ça c'est cool, c'est très cool. On est content, on est content que tu plein d'arrivée. Et vous habitez dans le coin, c'est ça? Ouais, ouais, en Alsace, à Épine, on a fait un coin. Toi, tu fais des vannes en détente. Tu vas te calmer ma clé Guy, d'accord? Tu vas vraiment te calmer. Si vous n'avez pas le sosie, c'est dommage, vous avez vraiment ma clé Guy. Le Galaxy, ça vous parle? Très peu de gens quand même. Hein. C'est pas le truc que l'a dit Einstein là sur le. Alors, vos prénoms? Julien ne connaissait pas le prénom de Violaine. Je pense, vas-y, si je me trompe, je pense que Violaine habite sur Paris et que Julien l'a rencontré sur internet et qu'il est venu à Paris quelques jours pour faire connaissance. En vrai, on sait ce qu'il veut. Et que dans leur cadre d'une sortie, voilà, on va voir ce qui va se passer. Ils sont sortis et ils ont vu l'affiche et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas. Violaine, vrai ou faux? Vrai.